10 choses que vous ne devriez jamais faire pour un homme. Bonjour mesdames, je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo destinée à vous permettre de devenir la meilleure version de vous-même, une femme optimale, une femme qui sera véritablement aux commandes de sa vie de femme et de sa vie amoureuse. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Parpiglia, coach experte en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Je suis la personne qui va vous aider à créer une belle histoire d'amour, stable, fluide et épanouissante. Et cela, peu importe votre âge, vos histoires passées et ce que la société a bien voulu vous faire croire. À partir du moment où vous aurez en vous les bonnes connaissances, les bonnes compréhensions, je peux vous garantir que tout ceci sera fluide, facile et accessible. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble quels sont les agissements que l'on ne devrait jamais accepter de faire pour un homme. Pourquoi ? Non seulement lorsque l'on agit dans un certain contexte, on va se dévaloriser aux yeux de l'homme que l'on aime. On pense bien faire, on pense aider, on pense accompagner, on pense être plus aimé. Mais malheureusement, cela nous revient dans les dents comme un boomerang de manière à nous affaiblir, à nous rendre moins irrésistibles et moins précieuses aux yeux de l'homme que l'on aime. Vous imaginez, toujours étant de bonne volonté, de bonne disposition, nous les femmes, nous donnons à mauvais escient, nous donnons à profusion. Et pourquoi la plupart des femmes font ça ? Car elles ne savent pas agir différemment, car elles ne savent pas se comporter autrement avec les hommes. La raison est simple, on ne leur a pas appris. On ne leur a pas permis de comprendre qu'un homme ne fonctionnait pas comme une femme. De plus, à travers les conseils que je vous partage, je veux vous protéger. Je veux vous protéger d'hommes qui seraient peu scrupuleux, qui profiteraient de votre générosité, de votre amour, du fait de vouloir faire les choses d'une manière naturelle, sincère, et qui, encore une fois, ne va faire que vous desservir. Donc, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet et regardons les 10 actions, les 10 choses que vous ne devriez jamais faire pour un homme. La première chose dont je parlerai, eh bien, c'est de vous oublier, de vous sacrifier. Combien de femmes donnent à profusion sans n'avoir plus aucune énergie, joie de vivre, positivité, envie, enthousiasme, tout ça parce qu'elles sont vidées par des hommes qui profitent. Ils profitent de leur temps, de leur disponibilité, de tout ce qu'ils peuvent obtenir d'elles. Et à la fin, ce sont des femmes usées, fatiguées. Et mesdames, si vous ne prenez pas soin de vous, personne prendra soin de vous. Malheureusement, c'est comme ça. Malheureusement, avant d'avoir trouvé et rencontré un vrai homme, un homme valable, un homme louable, qui puisse prendre soin de vous réellement, vous devez être vigilante et faire attention au genre d'homme que vous pourriez rencontrer. La deuxième chose que vous ne devriez jamais faire, c'est mettre un homme sur un piédestal. Mesdames, les hommes, lorsque on les porte trop au firmament, que on pense que c'est l'homme en soi le plus optimal, l'opportunité du siècle, le fait que vous ne devriez pas le laisser partir, va avoir des attitudes malencontreuses vis-à-vis de vous. Puisque vous le mettez tellement haut qu'il pense qu'il n'a plus rien à faire pour vous conquérir, qu'il pense qu'il est tellement suffisant par sa présence que cela doit vous suffire. Et c'est ce qui se traduit par des hommes qui ne s'impliquent pas, qui ne s'engagent pas, qui ne vous donnent jamais rien. Le troisième point dont je parlerai, eh bien, c'est de vous changer pour un homme. Je connais une personne qui sortait avec un homme et puis cet homme a commencé à vouloir ce qu'elle enlève un grain de beauté qui était un peu disgracieux. Ensuite, il lui a demandé qu'elle change sa couleur de cheveux. Ensuite, il lui a demandé qu'elle refasse faire ses seins pour au final la laisser tomber. Vous imaginez ? Cet homme, en fait, ne l'aimait pas. Et lorsque l'on aime une personne, nous n'avons pas envie de la changer, tout simplement. Nous tombons amoureux d'une personnalité. Et un homme qui voudra comme ça vous modeler, vous modifier, ne sera pas un homme qui vous aimera réellement. La troisième chose que vous ne devriez pas faire, c'est être l'infirmière, la sauveuse, celle qui veut régler tous les problèmes.
Mesdames, encore une fois, à travers votre énergie masculine, vous avez tellement l'habitude de relever des défis, des challenges, que dans votre relation amoureuse, vous voulez trop faire. Et encore une fois, en agissant de cette façon, cet homme ne retrouvera pas la séductrice qui est en vous, cet homme ne retrouvera pas la femme fatale, mais trouvera une amie, une confidente, une infirmière, rien d'autre qui ne pourrait vous servir. Enfin, vous m'avez comprise. Nous, ce que l'on veut, c'est un homme qui vous admire, qui prenne soin de vous, qui vous voit comme une chose précieuse et pas quelque chose de trop confortable. Cinquième point tragique, c'est de laisser votre vie, laisser votre travail, laisser vos occupations pour que lui puisse vivre la sienne. Combien de femmes ont quitté leur travail pour venir aux côtés de leur mari et se sont perdues? Bien que vous puissiez bâtir et heureusement auprès de l'homme que vous aimez, eh bien, il faut bien voir où vous vous en allez, de quelle manière tout ceci se configure. J'avais une étudiante qui avait dû laisser son travail pour venir travailler dans l'entreprise de son conjoint. Je ne dis pas son mari, je ne dis pas quelqu'un qui était vraiment impliqué avec elle. Non, juste un conjoint. Et en plus de ça, cet homme ne voulait pas s'engager avec elle. Donc, elle donnait beaucoup à profusion. Elle travaillait sans cesse pour lui et il l'a laissé tomber comme une vieille chaussette. Donc, encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas être partenaire de son homme. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être son allié. Au contraire, il faut être deux dans un couple à manœuvrer dans le même sens. Mais là, dans ce cas de figure, c'est terriblement dommageable. Le sixième point, eh bien mesdames, c'est de le couvrir de cadeaux hors de prix. Combien de femmes je vois se sacrifier pour faire des cadeaux aux hommes qu'elles aiment? What? Mais cela n'a aucun sens. Mesdames, ne remplacez pas l'homme dans la relation. Encore une fois, je ne dis pas qu'on ne puisse pas faire de cadeaux à l'homme que l'on aime. Je dis que cela doit être mis à sa juste place. Je connais une personne qui avait vendu beaucoup de choses qui lui appartenaient et ce n'était pas une personne qui roulait sur l'or pour offrir une ceinture Hermès à l'homme avec qui elle sortait. Et cet homme était en soi en place. Il n'avait pas besoin de tout ça. Donc elle s'était sacrifiée pour offrir un cadeau à cet homme. Et vous comprenez la disproportion de cette situation. Donc, soyez intelligente, soyez raisonnable et comprenez tout ce cheminement à travers la séduction, à travers les rapports hommes-femmes. Le septième point que vous ne devriez pas faire avec un homme, c'est lui parler de ses échecs. Combien de femmes sont maladroites et vont parler des échecs que les hommes ont dans leur vie? Elles vont parler de leurs faiblesses, de leurs manquements, du fait qu'ils ont raté telle et telle situation, etc., etc. Elles sont désobligeantes, elles sont vexantes et les hommes n'ont pas envie qu'on leur montre qu'ils ne sont pas les hommes de la situation, tout simplement. Donc, parfois, maladroitement, dans notre franc-parler, dans notre élan d'honnêteté, on peut être castratrice, on peut être blessante. Et ça, c'est terriblement aussi dommageable pour votre relation. Le huitième point, eh bien, c'est le cas de femmes qui vont demander l'avis pour tout. Est-ce que je change le paillasson de la maison? Est-ce que je vais me faire teindre en blonde? Est-ce que aujourd'hui je cuisine un poulet, etc., etc. Est-ce que pour les enfants on va faire ça? C'est pas possible. Ça étouffe, ça ternit la femme qui devrait être responsable, qui devrait être aux commandes de sa vie. Ça vous montre sous un mauvais jour et cet homme n'a pas envie d'être responsable de tout dans sa vie. Donc, sachez comprendre ça, sachez vous responsabiliser et prendre les commandes de votre vie de femme. Le neuvième point, très triste, c'est de s'éteindre pour ne pas lui déplaire. Combien de femmes s'éteignent pour ne pas déplaire à leur conjoint? Et j'entends par s'éteindre, par exemple, des femmes qui gagnent plus que leur partenaire, elles ne vont rien dire. Des femmes qui vont refuser des promotions pour ne pas être au-dessus de leur partenaire. Des femmes qui ne vont pas trop briller pour ne pas faire de l'ombre à leur partenaire. What? Jamais. Ce n'est pas le bon partenaire que vous avez auprès de vous. Si vous vous comportez de la sorte, si vous faites attention à ça, ce n'est pas le bon partenaire. Et le dernier point,
Eh bien, mesdames, c'est de ne pas avoir de jardin secret. Il est très, très important, même quand on vit une vie de couple, même quand on est uni avec son conjoint, son partenaire, son mari, d'avoir son jardin secret, d'avoir son univers propre, d'avoir son monde à soi, où on s'émerveille toute seule, où on devient en joie toute seule, où on est créative, où on magnifie notre vie. Parce que c'est ce bonheur, c'est cette créativité, c'est cet élan de vie que l'on apporte à l'autre. Donc, mesdames, prenez bien conscience de tout ça. Donc voilà, 10 points qui ne sont pas exhaustifs, 10 points que l'on pourrait développer, 10 points que peut-être vous avez besoin de comprendre. Pour ce faire, n'hésitez pas à candidater à un diagnostic avec moi. Si tout ce que je vous partage fait sens, si vous aujourd'hui, vous avez envie de reprendre votre vie de femme en main, de faire en sorte que ça fonctionne pour vous, n'hésitez pas à candidater à ce diagnostic. Et je me ferai un plaisir de vous apporter les réponses dont vous avez besoin. Mesdames, cette vidéo est terminée, je vous embrasse. Et moi, je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures. Vous en avez assez d'être transparente dans vos relations, que les hommes avec qui vous sortez ne vous donnent que des miettes, de ne jamais en avoir plus. Alors qu'à côté de ça, à côté de votre histoire, certaines femmes obtiennent tout des hommes. Ils n'ont qu'une envie, c'est de les cajoler, de les gâter, de prendre soin d'elles. Vous pourriez vous aussi obtenir tout ça en ayant de meilleures compréhensions, de meilleures connaissances concernant les stratégies amoureuses, concernant la psychologie des hommes, le fait de vous valoriser, de devenir une femme unique à ses yeux. C'est pour cette raison que j'organise une webconférence gratuite et inédite afin de vous apprendre toutes ces clés et de faire de vous une femme heureuse en amour. Pour ce faire, rien de plus simple, cliquez dans le lien de la description ou cliquez juste en dessous et venez me retrouver pour cette formidable opportunité.